parler aussi des choses se clarifient. Un tout petit village. C'est un passage sur le plus beau village du monde. De la comprendre, qu'il s'agisse d'ailleurs de bandes dessinées, de poèmes, de théâtre, de littérature, d'essais ou de l'actualité, mais lire, c'est accéder à la pensée de l'autre. Et ça vous permet en même temps de forger vos propres connaissances, mais votre propre pensée. Donc c'est construire sa liberté. Donc c'est pour ça que la lecture à l'école, hors de l'école, de la vie, c'est à mes yeux quelque chose qui est essentiel. Voilà. Et c'est complémentaire avec le devis. Merci à vous. Hein. Merci à vous. Bonne continuation. Vous irez voir sur notre blog. Donnez la référence. Et vous avez quel âge? 21 ans. Pareil. Et alors vous êtes en études et en parallèle vous écrivez, dessinez? Ben pour ma part, oui, on fait des personnages, des histoires, tout ça, mais avec un peu de chance, nous, on a aussi des œuvres qui sont déjà à exposer en fait. Super, ça donne un coup. Yes. Bon, bonne continuation à vous, bon courage. Merci, hein. Par raison. C'est des beaux métiers. Des métiers, ce sont des passions. Comment allez-vous, Valérie? Vous allez bien? Très bien, merci. Alors. Là, il s'en va. Voilà.